Invité de Femmes Actuelles, podcast de télé loisirs et femmes actuelles animé par la journaliste Marie-Amélie Druen, Hélène Darroze s'est confiée sur son amitié avec Laetitia et Johnny Hallyday. Hélène Darroze est une femme accomplie. Sacrée meilleure femme chef du monde en 2015, la star de la gastronomie française compte 5 étoiles guide Michelin, 2 pour son restaurant Marsan, à Paris, et 3 pour son restaurant Hélène Darroze at The Connaught, à Londres. Depuis 8 ans, la native de Mont-de-Marsan est également un visage bien connu des Français puisqu'elle officie en tant que jurée dans Top Chef, dont la dernière saison s'est achevée avec la victoire du Gorille Boulet, le 7 juin dernier. En ce qui concerne sa vie personnelle, la chef est l'heureuse maman de 2 filles, Charlotte et Kittery, qu'elle a adoptées au Vietnam. Mais préserver sa vie privée lorsque l'on est un personnage public n'est pas toujours facile. Invité de Femmes Actuelles, podcast de télé loisirs et femmes actuelles animé par la journaliste Marie-Amélie Druen, Hélène Darroze s'est confiée sur les revers de sa notoriété. Hélène Darroze malmenée en tant que cuisinière il y a quelques années, Hélène Darroze s'est fait la promesse de ne plus se laisser abattre par les critiques, après avoir lu un très mauvais papier à son sujet. Moi, j'ai une règle. Quand je fais une interview, quand il y a un papier qui sort sur moi ou même quand je participe à une émission qu'elle soit radiophonique ou à la télé, je ne lis pas. C'est un serment. Que le truc soit bon ou mauvais, je ne regarde jamais, je laisse ça dans un coin parce qu'il y a eu des moments où j'ai été malmené en tant que cuisinière et ça a fait tellement de mal à moi, à ma famille, à mes collaborateurs qu'un jour j'ai dit, c'est fini, raconte-t-elle. Ce conseil, Hélène Darroze l'a reçu de la part d'une célèbre actrice. C'est Isabelle Carré, dont j'étais très proche à l'époque, qui m'avait donné ce conseil-là. Un jour elle est arrivée et il y a eu un très mauvais papier qui nous a tout rendu malade. Elle m'avait dit, stop, arrête de lire tout ça. Tu cuisines avec ta sincérité, c'est ton boulot, tu te donnes corps et âme. Hélène Darroze très proche de Laetitia et Johnny Hallyday par le passé, Hélène Darroze a également été la cible d'attaques concernant son amitié avec Laetitia Hallyday, dont elle est extrêmement proche depuis plusieurs années. Mon amitié avec Laetitia Hallyday, je n'ai rien à cacher là-dessus. Je l'assume complètement, je ne l'ai jamais médiatisé, je n'ai jamais utilisé que ce soit Laetitia ou Johnny pour faire ma pub. Ce n'est jamais arrivé, assure la jurée de Top Chef, qui n'exprime pas de réticence à répondre aux questions sur sa relation avec la veuve du taulier. Quand on m'interroge dessus, je réponds parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait aussi partie de mon équilibre, de mon bonheur, donc il n'y a pas de problème, confie-t-elle. Et de conclure au sujet de sa vie privée, il y a encore des parts cachées de moi-même. Je ne dis pas tout.